Alors au Japon, il y a un service qui est génial. Petite voiturette qui arrive comme ça là et qui vous livre vos bagages. Vous voyez ? Ils viennent juste d'arriver nos bagages. Alors ça c'est cool. Ça permet de ne pas se trimballer partout. Hein. Et de se les envoyer. La seule difficulté, c'est qu'il faut écrire en japonais l'adresse et ce que vous souhaitez envoyer. Et il faut que la valise fasse bien sûr moins de 23 kilos. En même temps, je vous propose de regarder quelques arbres. Quelques pièces vraiment intéressantes. Regardez ça, c'est magnifique. Voilà, ça c'est la petite production du maître Tanibata. Des petits shoin en pleine terre. Voilà, là vous avez donc du pain noir. Et ici sur la droite, vous avez une alternance. Donc c'est des genévriers Ito. Et le maître alterne à la fois la culture en plein champ. Vous voyez, ils sont tous à la même hauteur. Hein, et la culture en pot. Alors c'est marrant, ça, c'est un petit champ qui fait quoi à vue de nez, il n'y a même pas 50 mètres, ouais, 25 mètres. 25 mètres de linéaire, là. Voilà, et sur 10 mètres, regardez ce qu'on peut arriver à faire comme culture très spécifique, très spécialisée. Alors attention, là, les genévriers, ils sont quand même assez vieux. Il faudrait qu'un petit jeune s'amuse à faire ça dans un champ. Par exemple, je pense à un jeune qui fait l'école du BCSA, qui s'appelle Thomas, qui aimerait bien avoir un lopin de terre. Ben regarde Thomas ce que tu pourrais faire. Voilà. Une petite culture comme ça. Ça paye pas de mine. Regarde. Ah, je m'adresse à Thomas, mais je m'adresse aussi aux autres, hein, bien entendu. Tous ceux qui ont une petite idée de vouloir cultiver. Vous avez même l'opportunité de faire la moitié de la culture. Ça pourrait être super intéressant pour ceux qui adorent les show-in. Sugoi. Ah, gros troncs, ils sont comme ça les troncs. Ah oui, ils sont comme ça, oui. Ouais. C'est bon ça. Donc là, en fait, il alterne pleine terre et peau, en fait. Ah oui. Ouais. D'accord. Ouais.